Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbotena bino banso, bandeko na biso. Bozalina mokili mobimba, ba kongole. Na wa salimi ya nini wote. Wa zalendo wa ulimwengo. Wa semaji wa lugala kiswahili. Nor kivu ituri, sud kivu manyema katanga jambweno. Balabetu ba bena kasai moyo en bonsu ni badi bula ba bujima ni badi mwangola ba kudiba chiluba moyo en bonsu bampangi na bes bampangi ya Vincent mbote na ben yomso bane Congo bandundu kasai bandundu Congo central. Ouais, oui, j'allais confondre avec kasai central, Congo central avec un cap, comme vous aimez l'écrire de cette façon-là. Oui, chers compatriotes, Congo central, il y a Simon Kimbangu Volozi. Oui, des Congolais, le précurseur de notre indépendance. Bien qu'il y ait eu avant lui Fanda Farnana, mais il n'est pas très connu. Bon. Soit le premier, le plus important, c'est Simon Kimbangu. Chers compatriotes, nous passons au titre de notre émission. Eh bien, il s'agit toujours de la star du moment, le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il y a un décret qui vient d'être publié par la première ministre, un décret issu de la suggestion du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il a proposé, alors ils se sont réunis, la présidence, les hauts magistrats, les sénateurs, les députés, des entreprises, la société civile, et ils sont parvenus à trouver une réforme de la justice ou des réformes dans le domaine de la justice. Eh bien, il y a un décret maintenant qui protège les entreprises, surtout les entreprises publiques. On ne peut plus rançonner les entreprises publiques avec des faux jugements, des fausses accusations et des faux dédommagements. Voilà, ils sont cloués. Alors, je vais d'abord vous présenter un extrait vidéo dans lequel le ministre de la Justice explique au public ce que c'est que la justice qu'il a trouvée. Il a trouvé une justice nue, il n'a pas trouvé de base. Il se demande si on ne peut pas réformer. Ça, c'était après la libération des prisonniers qu'il a donné ses explications. Il a expliqué à des magistrats et à un public, au public en général, pour comprendre comment la justice a fonctionné jusqu'à son avènement. Eh bien, il ne s'est pas passé beaucoup de temps et il y a eu ce décret
permettant des réformes qui sont déjà en vigueur, chers compatriotes, ça va très vite. Et vous allez également écouter un extrait vidéo sur ces réformes. Il y a même le ministre de tutelle des entreprises. Il y a d'autres ministres, mais il y a surtout celui-là qui prend la parole, qui remercie vraiment le ministre de la Justice d'avoir fait en sorte qu'il y ait eu ce décret qui protège désormais ces entreprises qui payaient des millions pour rien à de fausses victimes. Voilà, chers compatriotes, suivez. Parce que l'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison, je dis bien en prison, dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Parce qu'en réalité, chaque acteur qui est appelé à faire son travail ne l'a pas fait. Les peines alternatives, est-ce qu'il n'y a que les peines d'emprisonnement ou d'incarcération? Non. Il y a toute une panoplie de peines alternatives. Aujourd'hui, il y a un problème d'auto-prise en charge alimentaire, mais on a une grande main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens délinquants urbains, ben, nous pouvons plutôt organiser pour qu'ils soient condamnés à des travaux forcés et qu'on les envoie faire des champs, par exemple. Ils peuvent faire des champs sur la base d'un bon encadrement. Vous allez également observer que sur le plan. Donc ça, c'est la défaillance de notre système pénal en général. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre directement en prison, on a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Le système de visa, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, les juges deviennent irresponsables de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Et c'est comme ça que les délais des prononcés ne sont pas respectés.
des prononcés qui vous prennent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que les justiciables n'ont pas de droits, n'ont que des devoirs. Et c'est cela l'erreur. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le représentant du peuple congolais par excellence est le chef de l'État. Et cette justice est rendue, est exécutée au nom du chef de l'État. Mais lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause ? Sur le plan du droit des affaires, vous l'avez certainement remarqué qu'il y a eu beaucoup d'abus avant notre arrivée. Je recevais des plaintes tous les jours. Même des collègues membres du gouvernement se plaignaient sur des saisies intempestives des comptes. Il n'y avait plus d'immunité d'exécution. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui casse un arrêt de la Cour de cassation. Dans le fond, hein, qui préjuge du fond. Et donc, du coup, le principe de la séparation des juridictions, hein, des fonctions juridictionnelles, les ordres de juridiction n'existent pas dans la pratique. Le Conseil supérieur de la magistrature, sur le plan maintenant du fonctionnement, le Conseil supérieur, c'est quoi la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature? C'est un flou. Est-ce que la justice appartient à la magistrature seule? C'est des questions de fond que nous devons nous poser. Non. La justice est une question globalisante qui va au-delà de la légalité, la justice. Donc, qui implique tous les acteurs de la société. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que, au-delà de tout, que le Conseil supérieur de la magistrature soit ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir froidement sur une réforme? Les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, un peu disait Rouvillois pour les constitutions. Les lois doivent s'adapter aux réalités. On peut réviser une loi autant de fois que possible. Il ne s'agit pas d'une attaque contre un individu. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas moyen soit d'insérer le président de la République, comme partout ailleurs, en France, en Belgique, partout ailleurs, il est anormal qu'un ministre de la Justice soit en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe nulle part au monde. Ceci veut dire, il peut même être un membre simple, mais il doit être là. Parce que c'est lui qui est le bras, qui est le pont entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est comme ça que vous verrez, vous-même, que parfois les présidents, le pouvoir judiciaire voit directement la première ministre ou le premier ministre à l'absence du ministre de la Justice. En fait, ces désordres-là, ça n'aide pas. On ne sait pas, on est dans quel système. C'est pourquoi le gouvernement de la République, par notre entremise, va procéder aux réformes. Et c'est pourquoi j'avais eu l'autorisation du gouvernement de la République pour rapidement mettre en place une petite commission comme cela, pour travailler sur ces réformes, afin que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent apporter leurs inputs. Et que ces réformes soient inclusives. La société civile, les magistrats, les syndicats des magistrats, le ministère de la Justice et bien d'autres structures, la présidente de la République, tout le monde soit là et que nous puissions prendre des réformes qui puissent aider réellement le pays. La primeur des réformes sera réservée aux magistrats. Suivez maintenant, chers compatriotes, la partie qui concerne le décret qui a été publié par la Première ministre sur suggestion du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Suivez.
Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, en charge des questions juridiques, Professeur Lumumba. Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, établissements publics et services publics. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des banques. Au titre et qualité respective. C'est un grand honneur pour moi ce jour de me présenter par devant vous pour aborder la problématique des réformes que nous avons engagées au cours de nos 100 premiers jours. Sous l'impulsion de son licence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il s'agit donc des réformes initiées par le gouvernement sous mille mois, simplement portées par notre modeste personne. Comme vous pouvez le remarquer, dans notre méthode de travail, nous avons plutôt opté pour une approche pragmatique des choses. Puisque nous nous sommes aperçus que depuis des siècles, depuis des décennies, nous avons excellé dans des discours. Nous sommes très forts dans les discours, nous sommes très forts dans les théories, mais en tout cas très faibles dans la pratique des choses. Et nous nous sommes dit que notre peuple attendait de nous des actions beaucoup plus concrètes qui confortent ces attentes. Et c'est comme ça que vous allez m'excuser de ne pas faire un discours ex-cathédrale, mais plutôt d'échanger avec la présente assistance. Et lorsque je prends mes fonctions, après donc la nomination dont j'ai bénéficié de la part du président de la République et de Madame la Première Ministre, j'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile. Parce que ce soit des collègues, membres du gouvernement, j'ai cité l'excellent spécial le ministre du portefeuille, que ce soit le vice-premier ministre, ministre des Transports, mon ami Jean-Pierre Bemba, qui est en charge des transports, et bien d'autres collègues, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises. Même le gouvernement de province nous saisissait tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit voilà, et même du droit interne. Comme vous le savez, il est inimaginable de pouvoir saisir les comptes d'un gouvernement de province. Ça, c'est à titre élémentaire, c'est le droit, le minimum de droits que nous tous nous avons appris. Vous allez dans nos juridictions, vous trouvez des décisions, des confirmations, des saisies, des comptes, des avoirs d'un gouvernorat de province. Elles ont fait ça à dessein ou par ignorance? Et lorsque nous scrutons, nous voyons que c'est des réseaux mafieux qui s'étaient organisés à mettre notre pays à genoux. Parce qu'ils savent bien que ce sont des démembrements de l'État par excellence. Ce sont des services publics de l'État par excellence. Mais ils vont saisir leur compte. Et c'est pourquoi, vous allez le remarquer, nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous nous sommes dit qu'au-delà de ça, il fallait apporter une solution de droit. Le deuxième conseil du ministre, le chef de l'État, le magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et à représentation d'une note d'information de son excellence monsieur le ministre du portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, au ministre de la Justice, pour pouvoir réformer. Trouver des solutions structurelles à ce
problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. C'est à cet effet que nous avons mobilisé des intelligences, des experts de droit OADA, en l'occurrence le professeur Zerbo, que je remercie, qui a activement participé à cette réflexion, ainsi que d'autres juristes, le professeur Massamba, empêché parce qu'il est dans une autre commission des réformes que nous avons mises en place. Mandirka, que je remercie aussi, maître Kaïcha, et bien d'autres juristes chevronnés, je vois le conseil juridique de la Banque, monsieur Gabriel, qui était aussi associé bien d'autres intelligences. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout prudent qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de 1000 dollars pouvait faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de dollars. Et un décret compris signé par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le décret est donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics ne gèrent plus. Je salue aussi la présence de la première présidente de la Cour d'appel, Goumbé, qui sait combien de fois elle a été appelée, évidemment, à statuer sur des questions des défenses à exécuter. Et généralement en précipitation, parce que pendant ce temps, tous les jugements étaient revêtus de la formule exécutoire sur minute dont nous sommes au recours. Tous les jugements, je dis bien tous les jugements, vous verrez à la fin exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Vous posez la question au juge, quelle urgence il y a à pouvoir insérer cette formule? C'était de la fraude. C'était juste une façon de frauder et piller les ressources des entreprises. Et au moment où la partie adverse fait appel sur pied de l'article 172, vous verrez que les banques ont déjà fait quoi? Ont déjà procédé au paiement. Vous posez la question au banquier, il dit non, nous avons peur d'être condamnés pour cause de saisie. Voilà comment les ressources de l'État ont été systématiquement pillées. Du coup, les DG des entreprises qui sont ici passaient plutôt le temps à régler les questions des saisies. Non, comment on ne peut pas saisir? Comment on peut lever les saisies? En lieu place de réfléchir sur les questions structurelles, des réformes et des rentabilités de leurs entreprises. C'est donc des réseaux, à l'époque moi-même avocat, c'est des réseaux aussi bien des agents eux-mêmes et cadres de ces entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque. Bref, c'est des réseaux de mafieux comme ça qui ont tué le pays. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as des millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses. Même tu te contentes de ce papier-là. Je pensais que quelqu'un pouvait m'applaudir. Et donc, c'est cela le phénomène. Maintenant, là, tu vois, ta décision de justice frauduleuse, et généralement, vous verrez que c'est toujours dans des procédures par défaut, condamnation par défaut. Non, cette entreprise-là ne s'était pas présentée. C'était toujours comme ça. Où on est allé signifier aux voisins. Et du coup, vous pouvez vous rendre compte que c'est des millions et des millions de dollars que nous avons sauvés, qui sortaient du patrimoine des entreprises publiques. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser,
que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Parce que la question de développement de notre pays n'est plus une option. C'est une décision prise par son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que c'est une honte pour nous que de continuer à croire que le paradis c'est l'Europe, le paradis ce sont les États-Unis. Lorsque le membre du gouvernement tombe malade, donc il est évacué à l'étranger. Ça devait nous faire la honte, mon gouvernement. Et le chef de l'État a dit « fini ça ». Mais pour pouvoir y arriver, mais il faut maximiser les recettes publiques. Il faut remettre nos entreprises publiques, il faut remettre les entreprises privées en état, aussi bien d'employer que de produire. Donc nous allons systématiquement et sévèrement combattre la mafia. Ceux qui se sont abusés, je crois que vous avez remarqué, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Deuxième réforme majeure, c'est l'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 16 mai 2023. Nous l'avons signé avec mon collègue ministre des Finances le 20 août 2024. C'était aussi difficile. Ou, même parfois, certains avocats, il a une créance initiale de 10 000 dollars, mais après il poursuit l'entreprise parce que c'est une multinationale. Et après avoir encaissé les 10 000 dollars d'honoraires au paiement des colossales sommes d'argent, c'est toujours des millions, et puis on saisit les comptes. Bref, les vrais investisseurs commencent à fuir notre pays. J'ai reçu Total, j'ai reçu des opérateurs miniers qui se retrouvaient en... Là, Gil, de 19 septembre, dans um geste que tem a ignite lá volonté da Gouveia. Merci donc, une fois de plus, la première présidente de la Cour d'appel pour avoir coopéré et travaillé à aider, à sauver certaines de ces entreprises. C'est tout le monde qui pouvait se lever un bon matin et faire condamner une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous notre essieu, il existe ce qu'on appelle la caution judiciaire. Tu ne peux pas faire des affaires avec une grande multinationale si tu n'es pas un homme d'affaires. Si tu n'es pas toi-même en capacité financière adéquate. Comment tu vas prétendre que Total te doit 10 millions de dollars alors que dans ton compte, tu n'as pas 10 dollars? Comment vous expliquez ça? Les entreprises minières n'en parlent pas. Et nous avons dit, niet, on a fait passer la réforme sur la consignation. Nous sommes passés de 10 dollars initial, qui était comme frais exigé, comme consignation, en pourcentage. Maintenant, pour les entreprises privées, si tu veux assigner une entreprise privée à te payer des dommages aux intérêts quelconques, il faut payer les 5% des dépostulations. Tu veux faire condamner, je veux dire, la Robanque à te payer 20 millions de dollars à titre des dommages aux intérêts, ok, il faut payer à l'État, dans un compte de l'État, 5% des 20 millions. Avant que le juge ne procède, parce qu'il s'agit de la consignation des frais. Donc, à l'absence du bordereau des paiements de ces 5%, les juges ne procèdent pas. Et tout juge qui procède sans preuve de paiement est considéré comme complice au détournement des deniers publics. Et en ce moment-là, on va pouvoir les repérer à partir de l'exécution de la décision de justice.
Parce que la banque va exiger avant d'exécuter le bordereau de paiement de cette consignation de frais. Voilà comment nous avons réussi à verrouiller. C'est donc 2% pour les privés, 5% pour les entreprises publiques. Cependant, il y a des petites exceptions que vous allez lire au niveau de la règle, notamment sur les questions liées à la propriété, droit de famille, les questions liées au contentieux fiscal, etc. Mais en même temps, la question de l'indigence demeure, puisque c'est réglementé par la loi. Il appartient au juge de pouvoir exonérer quelqu'un du paiement de cela, mais après avoir prouvé, évidemment, qu'il est réellement indigent. Donc ici, le droit d'accès à la justice pour tous est garanti. Il n'y a donc pas de crainte. Et les conditions d'indigence sont également prévues. Qui peut être qualifié d'indigent et qui ne peut pas l'être? Troisième réforme majeure, c'est sous les exécutions. Comme vous le savez, dans notre arsenal judiciaire, on a séparé, et même juridique, les fonctions de dire le droit des fonctions d'exécuter le droit qui est dit par un juge. C'est fait pour éviter les abus. C'est pourquoi on dit toujours que l'indépendance du juge, qui est consacrée à l'article 149 de notre Constitution, est relative. Ce n'est pas absolu. Les juges utilisent le droit, mais n'exécutent pas son droit. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce droit-là au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais est représenté par le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions sur la base de l'article 69 de notre Constitution. Et que donc, de ce point de vue, l'indépendance ne peut qu'être relative. Et c'est à cet effet que, vers les articles 80 et suivants, vous verrez que le chef de l'État, c'est lui qui nomme les magistrats. Les magistrats, les juges ne sont pas élus. Ils puisent leur légitimité de la signature, donc de la nomination, du chef de l'exécutif par excellence, qui est le chef de l'État. Et que donc, de ce point de vue, on dit le droit de manière indépendante, on ne peut pas interférer. On interdit au pouvoir exécutif, on interdit au pouvoir législatif du gouvernement. Sinon, c'est compliqué. Nous avons également abordé la question de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous allez voir également les réformes qui vont être amorcées là-dedans. Les conseils supérieurs à la magistrature, en réalité, ne concernent pas que la magistrature. On devait avoir le conseil supérieur de la justice. Parce que la question de la justice concerne aussi bien les avocats, les huissiers, la société civile, l'exécutif et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, pour votre information, même le président de la République n'est pas membre du conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice que je ne suis pas membre du Conseil de la Statue. Alors que le budget du pouvoir exécutif est présenté et soutenu par le gouvernement de la République. Donc ce n'est pas l'évaluation. Donc c'est vraiment une anarchie qui doit être corrigée pour permettre d'aller. Et puis la loi sur les statuts de magistrats. Et bien d'autres lois, la loi sur le code judiciaire bancaire, etc. La loi sur le parquet financier, nous l'avons défendue hier au niveau de la commission des lois, ça continue. Sachez que le chef de l'État nous avait instruit, et le gouvernement de la République avait pris une décision, il faut un parquet financier. Et le texte est déjà élaboré, il est en discussion dans les jours qui viennent. Nous allons devoir le défendre au Conseil des ministres pour que nous ayons un organe répression spécialisée avec des magistrats routiers spécialisés qui vont aider à réprimer la délinquance économique et financière. Et enfin, c'est les textes sur l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Comme vous le savez, l'ordonnance de 87 est aujourd'hui obsolète. Il faut l'adapter au contexte judiciaire actuel et nous l'avons présenté encore hier en commission de loi. Les discussions se poursuivent bientôt. Ce texte sera charcuté et présenté au public. Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice est fait du populisme,
Si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour l'occasion qu'il m'offre ces jours afin d'intervenir dans cette conférence qui, pour ma part, est très importante. Je voudrais commencer par rappeler la célèbre phrase du président de la République, chef de l'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cette phrase est pleine de sens et nous permet de décliner certaines politiques audacieuses. Et je pense qu'ici, nous sommes dans ce cadre-là où des politiques audacieuses doivent être menées par le gouvernement pour changer le cours des événements. J'interviens sur la question de l'opportunité. L'opportunité de ces décrets et ses conséquences sur le plan économique et social. De l'opportunité, après ma nomination comme ministre du portefeuille, j'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics, une bonne partie des mandataires des entreprises d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ses comptes, dans ses ressources financières, a été parmi les plus émergents. Cette insécurité a des conséquences, avait des conséquences énormes et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos entreprises publiques, toutes nos sociétés d'économie mixte étaient simplement coincées. Trésorerie plombée, patrimoine pillé, perspective incertaine. Et pourtant, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le registre des entreprises publiques, sont l'épine dorsale de l'économie du pays. D'une part, et d'autre part, c'est le boulevard par lequel le développement de l'économie du pays devait être assis. Aujourd'hui, vous allez observer, de moins en moins et depuis plusieurs décennies, que les entreprises dans le portefeuille de l'État ont été présentées comme les entreprises, l'expression. Un regard dans tous ces secteurs économiques avait bien compris qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se développer si l'État n'avait pas le contrôle et l'orientation de l'économie dans les secteurs le plus stratégique et à externalité positive. Nous devons protéger ces patrimoines contre les tenants de la privatisation à tout prix. Nous opposons cette idée selon laquelle l'État est capable d'avoir des bons gestionnaires parce que d'autres pays et d'autres modèles ont réalisé des pas importants sur le banc du même modèle. Je prends la Thaïlande. Lorsque le Fonds monétaire international arrive en Thaïlande et dit, demande au premier ministre de l'époque, je vais vous privatiser toutes les entreprises portefeuilles, enfin, toutes les entreprises publiques. Le premier ministre a dit pas question. Nous allons les garder comme tels, mais on va améliorer la rigueur de la gestion. On va améliorer la gouvernance. On va extirper de ces entreprises tous ces facteurs exogènes
qui les mettent à mal. Et l'un des facteurs exogènes les plus importants, c'est le pillage par les biais des décisions judiciaires qui mettent à mal nos entreprises et qui ne permettent pas de faire d'elles ces boulevards du développement économique du pays. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là pour dire qu'au plan de l'opportunité, il était temps que ces décrets soient pris. Il est temps que ces décrets soient exécutés par des patriotes congolais. Moi, je suis un économiste libéral, mais je suis en même temps un adepte du patriotisme économique. Lorsque on nous parle du climat des affaires, et oui, il faut un climat des affaires amélioré, mais c'est aussi valable pour les secteurs privés que pour les secteurs publics. L'occasion nous est donnée pour qu'un climat d'affaires digne de ce nom soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Pour éviter que, un, que la rentabilité de ces entreprises soit mise en cause, deux, que l'économie ne soit désarticulée à travers la désarticulation des entreprises et la désarticulation du système bancaire. On risque de mettre à moule toute l'économie. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et à l'unisson travailler pour que ces décrets puissent être exécutés tel que on l'a pensé et tel que c'est écrit. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille. J'ai envie de dire, heureux comme le ministre du Portefeuille qui voit les entreprises dont il assure la tutelle être protégée. Merci, Rwanda, pour tout le monde.